sous le chapiteau du GT1 Sports Club pour voir cette belle voiture qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir et encore moins en action. Et on va entendre des beaux moteurs, des voitures très profilées. Vous allez voir, c'est très Deuxième position,
Target Racing, Alex Aou et Frédéric Schandorf. Pour Nadiel Scudderborg et Yelmer Bourman, vainqueur de cette course 1 en programme. De 1200 kg, 800 chevaux, 800 000 km. 1 kg 49, 0 à 100, 2 secondes 8, 0 à 200, 6 secondes 8. Vous en voulez plus ? Vous avez 300, 10 secondes 8. Deuxième position, second place for Ibrahim Badawi for Lamborghini Roma by DL Racing and the winner in Am Cup, Gabriele Rindone. We're for Leipzig Motorsport, Gabriele Rindone to the podium, the winner. Et on va à nouveau écouter l'hymne national italien.
pace. La deuxième place pour Alfredo Hernandez, Ortega, and the winners, Paolo Leonardo Pugliari, and Carl Matic, vainqueur dans cette Lamborghini Cup pour le Bonatti. Thank you.
les chevaux, moins vite que nous. Thank you.
pour le coup de 18h40. Pour venir nous rejoindre avec le moteur de la licence GTR développé par les spécialistes. Thank you.
Boema qui rentre au stade. Je pense que ça va être la fameuse démonstration des GT1 Sports Club by Curbstone. Encore un tout petit peu de patience et vous allez voir un petit peu d'animation sur la grille de départ, puisque bien entendu nous allons bientôt voir les GT4 qui vont venir se mettre en position pour la première course. Et nous retrouvons bien entendu Thomas Bastin aux commandes, non pas de la course, mais du speaker, des commentaires pour cette première course de 60 minutes du GT4 Europe et Scandinavia. Nous prenons quelques instants.